Mass Media, la culture, c'est notre développement. Dans le souci d'hausser le niveau du cinéma dans le département de l'Ouémé, l'association A Solidaire a organisé ce 4 avril 2024 une formation de mise à niveau des acteurs du domaine du cinéma. Une formation qui a reçu le soutien du directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de l'Ouémé. Mais aujourd'hui, dans notre pays, il semble que le cinéma est considéré comme une discipline orpheline. Orpheline parce que pour les acteurs, l'attention qu'ils souhaitent, ils ne l'ont pas. Mais à la réalité, il faut savoir que chaque gouvernement avec ses priorités. Et le gouvernement du président Patrice Talon, ça vous le savez également, a choisi de mettre la culture, les arts au centre des préoccupations, au centre des grandes discussions au plus haut niveau pour appeler à leur contribution à l'essor de notre pays. Et donc, dans ce sens, le secteur du cinéma n'est pas du tout occulté. Des réformes s'opèrent pour donner au secteur sa lettre, réelle lettre de noblesse. Vous savez, il y a quelques mois, les réformes ont accouché déjà une agence qu'on appelle Agence de développement des arts et de la culture, qui s'occupe désormais de la promotion de tous les sous-secteurs de l'art. Donc il revient donc aux acteurs de s'aligner sur les nouvelles donnes en la matière pour bénéficier de l'accompagnement du ministère, de l'accompagnement de l'État. Je suis vraiment réconforté par cette initiative parce que j'ai remarqué il y a de cela au moins quelques années, pour ne pas dire 10 ans en arrière, et le cinéma béninois est malade. Auparavant, je voyais que le cinéma béninois était bien avant le cinéma et était devant le cinéma ivoirien. Aujourd'hui, ils sont devant nous parce que les acteurs se sont donnés dans le cinéma, ils se sont efforcés pour se dire qu'ils ont un objectif à atteindre. Par contre, chez nous ici, je vois qu'il y a trop, bon, excusez-moi pour les termes, il y a trop de saleté dans cette histoire du cinéma. Il faudrait qu'on prenne conscience, qu'on corrige les choses. Nous sommes vraiment intelligents, surtout à Porto-Novo, le cinéma en son thème même, au nom propre du cinéma, c'est à Porto-Novo. Parce que Porto-Novo, nous ne sommes pas loin du Nigeria. Nous prenons nos inspirations de ce côté là-bas, du Nigeria. Nous prenons nos inspirations, nous les imitons. Raison pour laquelle je dis que le cinéma au Bénin, c'est à Porto-Novo. Il faudrait que nous prenions acte de nos consciences et respecter ce que nous appelons le cinéma. Un acteur est vraiment un professeur, un chef de famille, et un parent, parce qu'il faut donner des leçons. Il ne faut pas faire le cinéma parce qu'il faut faire le cinéma. Il faut faire le cinéma pour donner de la leçon, pour le bien vivre de notre communauté. Si nous avons lancé une telle formation, c'est d'abord pour corriger le travail que nous faisons ici à Porto-Novo. Pourquoi ? Nous travaillons à Porto-Novo et comme on le dit souvent, Porto-Novo regorge beaucoup de talents artistiques.
Nous travaillons, mais nos œuvres restent toujours à Porto-Novo. Nous n'arrivons pas à vendre nos produits à l'extérieur du pays. Or, tout le monde sait que quand on travaille, c'est pour jouir de son travail. Vous voyez. Donc pourquoi nous n'arrivons pas à vendre? Après tant de réflexion avec les membres d'association, nous avons constaté que c'est forcément, il y a une manque de professionnalisme dans nos productions et ce que nous avons suggéré corriger afin que nous puissions rehausser le niveau cinématographique de Porto-Novo. À cette formation, nous n'allons pas laisser les participants comme ça. Nous allons les sanctionner par une attestation et une séance de retour, genre un exercice à leur donner pour les évaluer au festival Grand Écran prévu pour le jeudi et le mois de juillet. Une formation qui a duré 3 jours.